Dante. Devil May Cry. Présenté par Trunks le Panda. Salut à tous les amis, on se retrouve pour ce 14e épisode de DMC Devil May Cry et on va affronter la méga connasse de l'ultimatum du démon, j'ai nommé la maîtresse de Mundus. Qu'est-ce qu'on va améliorer, Revenant? On va peut-être améliorer un jour quand même le tir de tir des armes à feu quand même. Ouais, allez, on va quand même améliorer le tir des flingues et du fusil à pompe, parce que même si on s'en sert pas souvent, je m'en sers pas souvent, mais si j'améliorais un peu le tir, ce serait un tout petit peu plus utile, je pense. Donc on se retrouve directement à la suite de l'épisode précédent. C'est exactement l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. On va buter cette connasse. Allez, bébé, faisons la fierté de papa. Oh. Oui. C'est assez dégueulasse, je vous préviens tout de suite ce qui va se passer. C'est ensuite. L'air de s'amuser. Ce boss est vraiment dégueu. Tu sais. Vraiment, vraiment. Je cherchais justement une occasion de me détendre. Voilà le boss le plus dégueu de la galaxie. Ça, c'est une tête que seule une mère pourrait aimer. Voilà, le boss le plus dégueu du jeu, il est là. C'est lui, c'est le espèce de fœtus de fils de Mundus qui est absolument horrible. Et à qui on va latter la gueule très vite, je pense. Mais vraiment dégueu, hein. Celui-là, il est encore plus dégueu que la succube. Et pourtant, c'est déjà assez difficile à faire en soi. Ok, il m'a envoyé une espèce de vague. On va lui taper dans les papates. Donc je me concentre un peu. Parce que le niveau là il pique un peu les yeux. Ah, il s'est téléporté on dirait. Ok, faut que j'évite ces vagues d'énergie sinon je vais crever. Allez putain, j'ai presque fini la première salve. Voilà. Première barre de vie, check. On va sortir la maman du trou. Et hop là. Ta dans ta gueule la connasse. Ça c'est fait. Comme elle se fait lyncher par terre. Ah, c'est absolument horrible quoi. On dirait que ses cheveux ils sont reliés à une espèce de cordon ombilical du bébé monstre là. Bon, alors il a repris sa barre de vie, ça je m'en souvenais pas. Mais c'est pas bien grave, hein, c'est pas trop un problème. What the fuck, c'est quoi ça? Alors je m'en souviens assez peu de ce boss. Je sais plus trop comment on le bat. Mais je pense qu'il y a juste à bourriner, à éviter les quelques salves qu'il va nous envoyer. En se raccrochant à ses points faibles là. Qui clignotent, assez facile à repérer. Hein. On va pas vous demander de réfléchir non plus. Hein. Allez, mange-toi tout ça. Putain, il a repris sa vie, il y a un truc que j'ai pas réussi à faire. Bon, attendez. Je vais me mettre colère là.
Je vais le mettre très colère là. Bon, en fait ça sert à rien d'être en démoniaque contre un boss. Là si on fait peut-être plus de dégâts. Bon c'est pas grave hein, j'avais la barre de nouveau remplie. Ah voilà, fallait juste ressortir la connasse. En fait faut la tuer elle quoi. Du coup c'est pour ça qu'il faut la sortir à chaque fois du beat du fils. C'est vraiment horrible hein, c'est vraiment dégueulasse. Il est burk ce boss quoi. Non. Enfin moi ça me fait rien hein, mais... Ah ça devient tout rouge, il commence à avoir mal. Je sens qu'il commence à avoir bien mal. Allez. Tu me rends malade. Je me concentre un peu pour essayer de le finir sur ce coup-là. Je pense que c'est faisable. Ouais, nickel. Il lui a pété les genoux. C'était fraîche, franchement un boss facile. Comme à peu près tous les boss de jeu là. Lève-toi. Je vais pas vous tuer, toi ou le gamin de Mundus. Du moins, à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. D'accord. J'obéirai. Privé de ce gamin, je ne serai plus rien. Alors arrête de pleurnicher. Ça tourne. Merci de nous avoir contactés. Désolé d'avoir mis du temps à répondre. Suite à ton offre, je souhaite faire une contre-proposition. La vie de la fille... contre la vie de ton enfant. Oula, pas content, lui. Pas content du tout le Bob, pas le Bob, le Mundus. Du coup je parlais des boss donc Bob Barbas je pensais. Pas du tout content le Mundus, donc c'était un épisode hyper court, je suis vraiment désolé. L'épisode il aura duré genre 6 minutes, un truc du genre. Parce que je lui ai juste pété les genoux mais il était hyper facile le boss. Franchement c'est... La succube est plus dure à battre qu'elle. Vraiment plus dure à battre qu'elle. Enfin que lui son fils, on s'en fout, que ce boss là quoi. La succube est plus dure et Bob Barba c'est plus dur aussi. Là j'ai même pas eu besoin d'éviter les salves d'attaque du boss. J'ai juste eu à bourriner comme un gros porc quasiment à faire quelques combos. Et c'était terminé, voilà. Donc c'est pour ça il me semblait que c'était dans la même mission, en fait non même pas. Donc je vous aurais posté je pense les épisodes assez rapprochés parce que celui-là est quand même très très court. Voilà les amis, moi je vais arrêter cette petite session de tournage parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 15 si je dis pas de conneries. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce vert et je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Allez, ciao ciao !